Trusquem, qui veut dire transformation en breton, est une ressourcerie, la ressourcerie installée à Quimper depuis le projet est né en 2014 et on est dans ces locaux prêtés par la ville depuis 2016. On nous a permis aussi la garantie d'emprunt de notre de l'emprunt qu'on nous avons fait pour acquérir le local de notre dépôt qui est un peu plus loin et qui fait 1 400 m². Les ressourceries donc sont un des moyens pour les collectivités de réduire les déchets sur le territoire puisque eux ont cette obligation. Notre métier, c'est collecter en déchetterie, en apport sur site, en collecte à domicile, collecter, valoriser. Valoriser, ça va du simple nettoyage à la petite réparation, au relookage, à la transformation. Collecter, valoriser, revendre. On a créé donc 9 emplois depuis notre ouverture en 2016. Et sensibiliser. Sensibiliser, c'est très important pour une ressourcerie, puisque sensibiliser à la réduction des déchets par des ateliers de relookage, des ateliers de loisirs créatifs, des ateliers zéro déchet, bien sûr, comment apprendre à faire ses produits ménagers, ses cosmétiques, ses sacs à vrac, etc., pour réduire les déchets. En 2015, on a commencé les collectes en déchetterie et on a collecté 5 tonnes la première année. En 2016, on a collecté 21 tonnes. En 2017, 75, puisqu'on a ouvert toute l'année et on avait de quoi accueillir les dons des gens. Et puis en 2018, on a fait 120 tonnes. En 2019, on a fait 150 tonnes. La ville de Quimper, les élus de QBO ont donné du crédit à notre projet depuis la première heure, depuis 2014. La CCPF, la communauté de communes du Pays Fouénanté aussi, puisqu'ils ont, dans leur nouvelle déchetterie, mis en place un local de réemploi. Il est vrai que Quimper Bretagne Occidentale, aujourd'hui, n'est pas favorable à mettre des locaux dans leur déchetterie, mais on ira un cran plus loin par rapport aux usagers si, en permanence, il y avait un local dédié au réemploi, où les gens puissent déposer en permanence leurs objets, les objets dont les gens ne veulent plus, ou bien sûr le regard attentif des gardiens de déchetterie. Quérembrise, la déchetterie de Fouénan, nous collectons chaque année 30 tonnes, là pour l'année dernière, 30 tonnes 562. Sur les déchetteries Quimper Nord, Quimper Est, bien sûr, on est sur Quimper, donc les gens viennent plus facilement nous voir. Mais sur la déchetterie Quimper Nord, Quimper Est, on a 5 tonnes. Aujourd'hui, Trusquem est à un tournant. Il y a eu effectivement une croissance importante, passer de bénévolat à 9 emplois, passer de 3 tonnes à 150. Aujourd'hui, on refuse des objets. Il y a par manque de place, par manque de moyens aussi. On n'est pas en capacité, par exemple, d'embaucher quelqu'un pour réparer tout l'électro, traiter tous les vêtements qui arrivent, les livres. C'est important pour nous d'avoir ce temps d'accueil de tiers-lieu, en fait, où on n'est ni à la maison, ni dans un bistrot, mais en tout cas, un endroit où on puisse discuter aussi. Et ça, ça fait partie aussi d'une démarche pour moi, pour nous, à Trusquem, de transition écologique et sociétale.